Marginal, ouais, peut-être, je sais pas. Dans mes goûts, peut-être, je suis marginal. Dans mes options, dans la vie également. Il y a peut-être peu de gens à Charleroi qui baisent avec 10 personnes différentes par semaine, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur habitude. Ça marche pas, ton malheur. Ah, ça va, ça va! Ah, j'ai déjà un message de François, c'est super, il est con celui-là. C'est gros cul pour relation buco. Oui, je suis ta putain. Envoie. Ça m'amuse d'avoir intrigué ce genre de choses. Tout le monde devrait avoir un Minitel pour s'amuser à insulter tous les gens qui sont sur le truc. Sur le réseau. Ornella, ben, elle n'a rien marqué du tout. Elle est complètement conne, celle-là. Je vais lui dire d'ailleurs. Lui répondre, envoie. C'est conne. Ah, chez nous, escalope. Bon, tu trouves une quantité infernale de gens qui sont inintéressants. Mais de temps en temps, tu trouves quelqu'un qui est intéressant. C'est un peu comme partout. Moi, on a une grande maison, on a les bureaux dedans, Christian a ses coins, moi j'ai mes coins, c'est pas un problème. Tu sais, bon, de toute façon, en fait, je trouve que les mœurs sont un peu évoluées à ce niveau-là aussi. Qui est-ce qu'il y en a encore à foutre de savoir qui est homosexuel, hétérosexuel, bisexuel et des machins comme ça? Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie de coucher avec un homme, c'est pas pour ça que je devrais être considéré comme un pédéfini. Enfin, les gens pensent ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est pas du tout mon problème. Je trouve que chacun doit vivre sa vie comme il l'entend, c'est tout. Bon appétit. It's just rice, you know, rice with mushrooms. Have you enough, Philip? Yes, thank you, darling. Eh bien oui, la nourriture, c'est une chose extraordinaire. Obsédé sexuel 1, obsédé nutritif 2. C'est toujours intéressant. C'est toujours mieux que schizophrène, malade mental, gangster, Saddam Hussein. Depuis qu'on s'est rencontrés, il me fait beaucoup rire. Nous avons une bonne collaboration ensemble et qu'on fait du bon boulot. Et que si les clients sont contents et si les feux d'artifice sont beaux, c'est parce que justement, nous pouvons travailler vraiment main dans la main. Arrête, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. If he dies, he dies. Viens pour vous péter. Oui. Bon, tu veux pas faire ça un peu mieux parce que ça va pas, qu'il n'y a pas assez de ventilante. Regarde ça, des sucres quoi. On sait que dans l'ordinateur on utilise des sucres et un tournevis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, quand est-ce qu'on bouffe? Tu dois aller commander. Allons commander. Petit plat. Ça débrouille. Lamentable. Revenons à notre propos. Charleroi. Home sweet home. Après, à Montigny-sur-Sambre, à Bouffioux, n'importe où, il y a des endroits où il n'y a pas de bouffe. Si on peut aider, c'est bien. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de manger. Je me dis que finalement, les gens qui n'ont pas à manger, si eux voyaient que nous, en plus, on ne mange pas, ils se diraient, mais qu'est-ce qu'ils mangent finalement? On l'appelle Jack. Pendant que tu parles, moi, je mange.
Tu es un homme fantastique et formidable. Donne un coup de main, Manu. Mais il s'est proposé de m'aider à faire mes bons de commandes, taper des lettres pour commencer, puis faire les factures, puis commencer à faire les remises de prix. Et se dire, ben, tiens, on devrait faire ça plutôt que ça, ça serait mieux. Et puis, de fil en aiguille, il a rencontré les clients, et puis voilà, quoi. Et puis, pour finir, maintenant, quand au téléphone, on demande après M. Genion, on lui demande après moi. Il réfléchit rock'n'roll. La société est rock'n'roll, faut le dire. Donc quand on s'est rencontré, lui était Cry, is that right? Yes, it was. What did you say? Je n'aime... What? Je n'aime pas ceci, les grosses crailles. Et je préfère ceci, les gros queues. Yeah, is that right? Really? Oh, it's just your problem. La grume était un de ses coups qui tapait sur des valises à l'époque. Et voilà, ça c'était le début d'Agrume. Puis après, Agrume a fait un peu plus de bruit. À la grande Allemagne. Next song. I don't know. Because they are from the Flatuskov. Yeah. It's very easy to do. Évidemment, il parlait de grosses crailles, de prout et genre de choses. Ça les amuse énormément. What? Yeah. Utunskov. J'ai été régulièrement battu. Il y avait un règlement quand il était petit. Ouais. Il ne pouvait pas boire, il ne pouvait pas manger. Avant midi, il ne pouvait pas manger des bonbons. Avant midi, tu te rappelles pas? J'ai entendu parler de ce truc. Quand tu allais chez Madame Lecomte, il y avait un règlement. Chez Bonne Maman, il y avait un règlement. Chez Bonne Mamie, il y avait un règlement. On ne pouvait pas donner de bonbons avant midi. Quand j'avais 12 ans, j'avais à côté de mon fauteuil, j'avais mon tabouret avec mes journaux et j'avais en dessous deux paquets de biscuits et deux paquets de chips ouverts en permanence, malgré le fait que le pédiatre avait bien spécifié qu'il fallait mettre à la diète, etc. Heureusement, j'ai redressé moi-même la situation après 14 ans. Si on retirait les paquets de chips, ils criaient, ils hurlaient, on est marre, on ne peut rien boire, je ne peux rien manger. Bon. C'est bien comment on aidait, hein? Ouais, bah ouais. C'est moi qu'il faut le dire. Tu reviens dans ton ancien domaine? Ça va tenir, ah oui. Ah oui, il n'y a plus grand-chose qui ressemble à... Non, plus rien du tout. Avant? Ah si, il y a encore des posters sur les murs. Maintenant, c'est le débarras. Il y a des choses qui viennent de chez tout le monde. Il y a la table du salon de chez Tantine. Ouais. Il y a le meuble... plus rien, hein. L'électrophone. Il y a une antiquité, là, où on tourne des disques. Bien fait. Je ne sais pas comment ça marche. Les aiguilles de rechange. C'est extraordinaire, on dirait une boîte de clous. Ah,
Mon père, il a travaillé toute sa vie, il a aidé tout le monde toute sa vie. Il voulait toujours faire trop et trop vite et peut-être trop avec beaucoup trop de conscience professionnelle pour le prix qu'il était payé ou bien pour ce qui, par rapport à ce qu'il devait vraiment faire. Et résultat des courses, bon, quand il a eu enfin fini de faire tout ça, quand malheureusement tous ses parents sont morts et qu'il pouvait enfin se reposer, ben, il est tombé par terre, il ne s'est pas relevé. Et ça, je ne veux pas que ça m'arrive. J'ai 28 ans, je m'amuse. Mon rêve, c'est un jour de voir les baleines.